C'est la fin, gang. Passage à une autre étape de votre vie. Donc, c'était une année quand même spéciale, mais on tenait à quand même souligner votre dernière journée au primaire. J'espère que la fête, malgré tout ce qu'on devait mettre en place, a été quand même satisfaisante pour vous. Vous avez eu la chance de dire au revoir à vos amis, à vos enseignants. Donc, sur ça, je vous souhaite bonne chance dans vos prochaines étapes. Un super bel été. Soyez prudents. Amusez-vous. Bonne fin d'année, gang. Je vous souhaite un bon succès au secondaire. Je vous adore. Je vous ai aimé tout le temps que je vous ai enseigné. Je vais m'ennuyer de vous. S'il y en a, je suis très contente d'avoir vu aujourd'hui que je n'avais pas eu la chance. Donc, je vous souhaite un succès au secondaire. Puis, je vous adore. Donc, je donne le micro à Mme Christine. Le décompte. Avant de faire le décompte, moi aussi, c'est surtout à mes élèves que j'ai eus pendant 2 ans, mais il y en a plusieurs autres que j'ai côtoyés au cirque. Je vous souhaite le meilleur des succès. Je vous aime. Puis, vous allez toujours avoir votre place dans mon cœur. Vous avez laissé vos traces. Puis, ces traces-là, ça ne s'efface pas. C'est tout ce qu'on a vécu ensemble. Cette année, on n'a pas eu de cirque, mais au moins, vous, les sixièmes, vous avez quand même eu du cirque l'année passée. Bravo! Puis vous avez travaillé fort cette année. On devait avoir quand même de petits moments de gloire, mais bravo, même si ça n'a pas été présenté. On a présentement dans le stationnement des parents. Vous voyez que là, ici, il y a une haie. On doit se déplacer vers les voitures de nos parents. Il y en a peut-être qui, des parents qui vont vouloir klaxonner. Un peu. Il y en a, comme vous voyez, les voitures, elles sont décorées. On est là pour souligner votre moment à vous. Alors, prends ton soulier, prends ta casquette, s'il vous plaît. On est dans le décompte. Alors, s'il vous plaît. Madame Judith, tu peux, vu que je fais le décompte, mais j'irai faire la haie de mer après. Alors, tout le monde. Ah, monsieur qui? Monsieur qui veut dire un petit mot? Bonjour, un petit mot de... c'est moi qui ai le mot de la fin. Alors, ça a été une drôle de fin d'année scolaire, mais je vous regarde là, puis je vais garder un souvenir précieux de vous autres dans mon cœur. Vous avez été un groupe fantastique, je vous ai aimé, je vous ai adoré. Puis rappelez-vous une chose, vous faites partie de la grande famille de Saint-Michel à vie. Quand vous allez revenir à Saint-Michel, n'hésitez pas à venir nous dire un petit coucou. Vous allez toujours être bien accueillis. Alors, bonnes vacances, bon succès au secondaire, et surtout, profitez de la vie. Ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne chance! Fini. À l'envers. Il est à l'envers, quand tu plonges. Hey, bonjour, caméra! Salut! Hey, Daphné, t'as manqué quelque chose d'extraordinaire la semaine passée. Ah oui! Oui! Oui, t'as mis venu. Oui! Oui, t'as dit. Où? J'ai une photo pour te trouver. Ah, je crois, oui! Oui, il est venu! Oui, on a une photo. Je jure. On jure. Je veux voir ça. On a une photo. Il est où, là? Parce qu'il faisait une tournée pour les élèves finissant des écoles. Sérieux? Oui, vu qu'il n'y avait pas eu comme de truc de fête de finissant. Parce que, Tom, ouais, oui, il y a de la famille à Buckingham, fait que là, non, il est venu à Buckingham. C'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Je le saurais. Non, parce que... Non, mais c'est parce que vu que le bal n'avait pas lieu, il est venu faire une tournée. Ouais. Yo, Tom! J'ai oublié de rajouter sur mon téléphone. Est-ce mon ordinateur? Merci! Tu lui enverras sur Instagram. On peut avancer un à la fois en direction des voitures. Allez-y! En derrière l'autre. Bravo! On est dans le bravo! Bravo!
en cadeau dans la piscine? Ah oh, oui, j'en ai reçu pas mal. J'aimerais dire un petit mot. Vous êtes fantastique, vous êtes extraordinaire, n'oubliez-le jamais. Raphaël Plouf. Parfait. Donc, Raphaël, quel a été ton projet préféré? Le projet de carte postale ou la pièce de théâtre en décembre avec Mme Cynthia. Parfait. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? Est-ce qu'on peut sauter cette question-là? Oui, c'est une bonne question. Quelle a été ta sortie scolaire préférée? Au moins au sommet d'Aulnay. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire au sommet d'Aulnay? Du ski. Du ski, parfait. Et... quel a été le moment le plus drôle pour toi? Quand tu es à Belleville, puis quand tu arrives dans les sous-bois, puis qu'on se promenait dans les sous-bois, puis que c'est ça, là, puis qu'on se rentrait un peu dedans, puis c'est ça. Parfait. Question de connaissance générale. Okay. Qui est la femme de M. Guy? Madame France. Bonne réponse. C'est tout. Jasmine Werner. Parfait. Jasmine, quel a été le moment le plus drôle pour toi? Ça a été quand on était à la sortie Edelweiss, parce qu'on s'est toutes plantées dans les sous-bois. C'était vraiment drôle. Parfait. Sinon, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école? Ben, je pense que c'est toute la complicité qu'on avait dans la classe. C'est toutes les sorties, tous les défis qu'on avait, la classe enrichie, Madame Christine, puis mes amis. Parfait. Et finalement, quel a été ton projet préféré? Moi, ça a été les cartes postales, puis la pièce de théâtre avec Madame Cynthia, parce que ça représentait comme des défis, puis moi, j'adore ça, les défis. Parfait. Et question de connaissance générale sur l'école. Combien y a-t-il d'étages dans l'école? On compte pas le sous-sol. Fait qu'il y en a deux. OK. En comptant le sous-sol, ça fait trois, mais sans sous-sol, ça fait deux. Effectivement. Par l'avance. C'est merci. Tout. Merci. Nicolas David. Parfait. Donc, Nicolas, quel a été ton projet préféré lors de ton primaire? Je crois que c'est la robotique avec les combats de robots. OK. Sinon, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Je dirais à Saint-Jean avec... parce que c'était bien fun. Il pleuvait, mais sinon c'était quand même fun. OK. Et finalement, décris-toi comme élève. Comment penses-tu être? Je pense que je suis un élève... j'utilise beaucoup sa logique, là, en force, tout ça. Sinon, je suis bon en maths, puis je suis pas très bon en espagnol. Sinon, ça passe. C'est pas ça. OK. Question de connaissance générale. Quel autre emploi occupe Madame Mérica? Madame Mérica, elle est avec Raphaël, là. Oui. À pour ça. Oui. Quel autre emploi est-ce qu'elle fait? Je sais qu'elle remplace, mais comme un autre emploi, genre, à un autre endroit, là. Mm-hmm. Je sais pas comment elle est ici à vos métro. Non. Elle est esthéticienne. Mais oui. Emma Hébert. Parfait. Donc, Emma, qu'est-ce qui va te manquer le plus de Saint-Michel? Ben, c'est surtout le cirque, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup comme d'école où qu'on fait du cirque. Parfait. Sinon, quelle a été ta discipline préférée au cirque, justement? Le monocycle. J'aime ça, je sais pas, j'ai trouvé ça super amusant. OK. Et finalement, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Des amis, d'autres amis, des super bons amis, puis ouais, c'est ça. OK, donc de l'amitié. Et question de connaissance générale. Peux-tu me nommer les professeurs d'éducation physique? Monsieur Jérémy, Madame Geneviève, Monsieur Marc. Voilà, c'est bon, c'est tout. Je m'appelle Coralie Huneau. Parfait. Donc, Coralie, quel était le moment le plus drôle pour toi lors de ton primaire? À un moment donné, notre prof d'édu, on était censé aller faire de l'édu dehors.
Puis là, ben, ils voulaient pas. Fait que, ben, nous, on était un peu fâchés. Fait qu'on avait décidé d'aller voir la directrice. OK. Sinon, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton école primaire? Je dirais le cirque. J'aimais vraiment ça. OK. Et finalement, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Ben, la plupart de mes amis. OK. Question de reconnaissance générale. Quel est le nom de la secrétaire? Tu te rappelles pas de son nom? Non. Madame Lynn ou Madame Lise? Oui. Donc, quel a été le moment le plus drôle pour toi? Dans le fond, c'est quand on est parti en sortie à Edelweiss. Moi, Raphaël, avec un autre élève, Coralie, et Jasmine, on est parti skier dans les sous-bois. Puis c'était vraiment drôle, on n'arrêtait pas de tomber, puis on avait plein de plaisir. Parfait. Puis, sinon, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école Saint-Michel? Ben, tout. En fait, tout. C'est sûr que mes amis, mon professeur, l'école en tant que telle, tout le personnel, vraiment tout. C'est, je me suis fait vraiment des beaux souvenirs. Je suis vraiment contente. Parfait. Et dernière question. Quelle était ta discipline préférée au cirque? Moi, je faisais du musique, puis j'adorais ça. Je pense continuer à en faire, puis c'était vraiment, vraiment cool. Parfait. Puis, question. Connaissance générale. Question de connaissance générale de l'école. Donc, la question que je vais te poser, qui est la femme de M. Guy? Madame France, bonne réponse. Merci. Merci à toi. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, lors de ton primaire, je veux savoir qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Des nouveaux amis, ça m'a permis de connaître le cirque, parce que je ne connaissais pas ça, en tout. C'est ça, là. OK. Puis, sinon, quel a été ton projet préféré? Le projet de carte postale, dans le fond, c'est que des gens qui habitaient autour du monde ou des gens qui allaient en voyage, ils nous envoyaient des cartes postales de la place où ils étaient. Puis, c'est ça, on en a eu genre 205 cartes postales. Ouais. Parfait. Puis, dans ma question, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? Je m'en vais à SAG au PAI. Ouais. OK. Question de connaissance générale sur l'école. Plus difficile. Quelle est la fonction de M. Jean? Qu'est-ce qu'il fait dans l'école, M. Jean? Il vient nous parler dans nos... C'est le directeur adjoint! Exactement! Bonne réponse! Merci beaucoup! C'est tout! Moi, je m'appelle Émilie Benoît. Et moi, c'est Malak Jamal. Parfait! Donc, Malak, quel a été ton projet préféré? La pièce de théâtre en informatique. Oui, OK. Émilie, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Je crois que c'est le cirque. Le cirque, ok, parfait. Malak, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? SAG. Est-ce que tu t'en vas dans quel programme? PEI. Tu t'en vas au PEI. Ok. Émilie, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? De la confiance en moi. De la confiance en toi. C'est bien, ça. Malak, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Je pense que c'est le cirque, moi aussi. Le cirque, toi aussi. OK. Et Émilie,
Quelle a été ta sortie scolaire préférée? Quand on est allé à Edelweiss. Quand c'est allé à Qu'est-ce que tu as fait à Edelweiss? La tube. Parfait. Donc, le moment de la question de connaissance générale sur l'école. Grosse question. Qui est la femme de M. Guy? Madame France. Madame France, bonne réponse. C'est bon. Oui, moi je m'appelle Charles-Antoine Fauvel. Parfait. Donc, Charlo, lors de ton primaire, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté? Moi je sais pas si ça m'a apporté quelque chose, mais je sais que c'était bien cool, puis ben, aussi quand même beaucoup de confiance, mais pas grand-chose, disons. OK. Sinon, quel a été le moment le plus drôle pour toi? Y a pas un moment, dans le fond, on a eu pas mal beaucoup de moments drôles, puis ben, je dirais qu'il y en a pas un, mais je peux pas vraiment vous décrire, puis ben, j'aime pas ça seul. OK. Et sinon, quel a été ton projet préféré? Ben, moi, c'est quand même le projet des cartes postales. J'ai bien aimé ça, recevoir beaucoup de cartes postales, là, puis ben, voir d'où ça venait, puis les personnes. Parfait. Donc, c'est maintenant le moment de la question de connaissance générale sur l'école. Donc, question pour toi. Quel est le rôle de M. Jean? Directeur adjoint, c'est ça? Oui, bonne réponse. Ouais! Donc, c'est tout. Merci. Salut, je m'appelle Raphaël Poulain. Parfait. C'est tout. Qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton primaire, Raphaël? Je pense que ça va être la dynamique qu'on a dans notre classe. De comment qu'on est joyeux, puis comment qu'on se porte bien, genre. Parfait. Même si on est bruyant. Sinon, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Ben, j'ai pas vraiment eu de sortie scolaire préférée, mais une que je me suis rappelée, puis que j'ai, genre, aimée, ben, c'est quand on est allé voir le cirque de Durmusso. C'est pas contre eux, mais j'ai pas trouvé qu'il était excellent. OK. Et sinon, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton primaire? Ça m'a apporté de la maturité, de la confiance, des amis. J'ai réussi à faire des défis aussi. C'est ça qu'on a fait beaucoup. Donc, maintenant, question de connaissance générale sur l'école. Ouais. Donc, la question pour toi. Ouais. Combien d'étages a l'école? Je sais pas. Je dirais 2. Tu comptes quoi quand tu comptes 2? Ici, puis en haut. Il te manque quoi? Le grenier. Non, le sous-sol! Le sous-sol, il y a 3 étages! Exactement! C'est bon! Salut, moi c'est Olivier Busseys. Parfait! Donc Olivier, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Je pense en 4e année qu'on est allé au Fog Junction. C'était vraiment le fun. C'était drôle. Parfait! Sinon, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école Saint-Michel? Surtout le cirque, puis mes amis que je me suis fait ici, là. OK. Et quel a été le moment le plus drôle pour toi? Je pourrais dire peut-être la bataille de légumes qu'on a faite dans le café le midi. OK. Et maintenant, question de connaissance générale sur l'école. Ouais. Qui est la femme de M. Guy? Madame France. Madame France, bonne réponse. Daphné Proulx. Parfait. Donc, Daphné, quelle était ta discipline préférée au cirque? Le menacer et la jouer. Parfait. Sinon, quel a été ton projet préféré lors de ton primaire? Il y a eu le peinturer les décors de cirque puis la pièce de théâtre avec Mme Cynthia. OK. Et finalement, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Plein de nouveaux amis, puis le cirque. Le cirque. OK. Question de connaissance générale sur l'école. Quel est le rôle de M. Jean? Directeur adjoint.
Bonne réponse. Oh, je sais pas. C'est Léane Guindon. Parfait. Donc, Léane, quel a été le moment le plus drôle lors de ton primaire? Je sais pas. Tu sais pas? Ok, on va passer à une autre question. Quel a été ton projet préféré? Le cirque. Le cirque, pourquoi? Parce que ça m'a fait développer des compétences que j'avais pas avant. Ok. Ensuite, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Edelweiss. Parce que ben, je pouvais glisser avec mes amis, puis c'est ça. Ok. Et finalement, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Ben, des amis, parce qu'avant, je suis jamais allée à la garderie, fait que j'avais pas d'amis, j'avais juste ma voisine. Okay. Question de connaissance générale. Quel est le nom de la secrétaire? Lise. Il y en a une qui s'appelle Lise et l'autre qui s'appelle? Lynn. Lynn et Lise. Hein? C'est mélangé. Donc, c'est tout. Mon nom, c'est Sébastien. La Croix, puis j'ai 12 ans. Ah non, c'est vrai, j'ai 16, excusez-moi. Parfait, on va regarder ça d'abord. Michael. Moi, c'est Michael Tremblay. J'ai 12 ans. Parfait. Michael, quel a été ton projet préféré? Le spectacle de cirque. Le spectacle de cirque, pourquoi? Ben, parce qu'au début, j'étais pas habituée de faire des spectacles, puis c'était le fun, comme monter, puis faire les numéros, puis se pratiquer, là. OK. Sébastien, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Edelweiss. Edelweiss? Qu'est-ce que t'as fait à Edelweiss? On a glissé. T'as glissé. On a démonté. Michael, quel a été le moment le plus drôle pour toi? Il n'y en a pas. T'as pas un moment que t'as trouvé super drôle durant ton primaire? Pas vraiment. Pas vraiment. Okay. Qu'est-ce qui va te manquer le plus alors? Ben, le cirque. Le cirque? Ok. C'est ce qui va te manquer le plus. Un instant. Sébastien, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Le cirque. Je savais pas comment jongler, puis là, ben, j'ai appris à jongler. Parfait. Ok, je vous ai combien de questions chacun? Deux. Ok. Sébastien, quelle était ta discipline préférée au cirque? Jonglerie. Jonglerie. Et Michael, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? SAG. SAG, quel programme? Sport-études. Sport-études. Parfait. Question de connaissance générale. Ok. Qui est la femme de Monsieur Guy? Madame France. Madame France. Bonne réponse. C'est tout. Et j'ai gagné. Édouard Millette, Raphaël Martucci. Parfait. Donc, Raphaël, quel a été ton projet préféré durant le primaire? Mon projet préféré, ça... le projet, c'était en 6e année. On devait faire des grenouilles en origami. J'ai beaucoup aimé ça. Parfait. Édric, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école Saint-Michel? Ça serait mes amis que je vais jamais revoir au secondaire sûrement. Quand ils vont pas à la même école que moi, puis... je trouve ça un peu nul que ça soit la dernière semaine. Essaye de ne pas pleurer. Raphaël, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Les sorties au cinéma. Au cinéma, mais genre à l'école secondaire. Ah, ok, quand vous êtes allé voir des films au secondaire. Ok, cool. Éric, qu'est-ce qui va te. Excuse-moi. Qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? La chose qu'elle m'a le plus apporté, ça a été l'apprentissage, des amis, beaucoup de plaisir et beaucoup de devoirs. Raphaël, ouais. Quelle était ta discipline préférée au cirque? Au cirque? Rollabolage, j'aime beaucoup le truc d'équilibre. Ok. Et finalement, Éric. Décris-toi comme élève. Comment penses-tu être comme élève? Persévérant, aidant. J'aide beaucoup de monde. C'est bon. Question de connaissance générale maintenant. Je pose une question sur l'école.
Je vais vous demander... Quel est le rôle de M. Jean? Qu'est-ce que M. Jean fait dans l'école? C'est qui, M. Jean? M. Jean est sous-directeur. Le directeur adjoint. Oui, bonne réponse. C'est tout. Moi, je m'appelle Nathaniel Knafo-Lavasseur. Moi, je m'appelle Jérémy Tanguay. Parfait. Donc, Nathaniel, quel a été ton projet préféré? Un projet que tu as fait durant ton primaire. Vraiment? On peut changer de question. Ouais, non, vraiment changer de question. OK. Quel a été le moment le plus drôle pour toi? Quand on était en édu, puis madame... puis on jouait au volleyball. Puis là, madame Geneviève, elle disait « lance Léo ». Puis là, il y a des personnes qui se sont rendues compte que, en fait, ça voulait dire genre « lance Léo ». Parce qu'il y a quelqu'un dans notre classe qui s'appelle Léo. Fait. Ça voulait dire ça. OK. Jérémy, quelle était ta discipline préférée au cirque? Le monocycle. Le monocycle, parfait. Nathaniel, quelle était ta sortie scolaire préférée? Edelweiss, parce que j'adore le ski. Puis ça a été un beau moment que je pouvais skier avec mes amis. Fait. Et en plus que c'était une bonne, et en plus que c'était une bonne montagne. OK. Jérémy, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Elle m'a apporté des amis. Des connaissances. Des connaissances. Parfait. Nathaniel, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école? Honnêtement, je pense que ça va être le cirque. Parce qu'en fait, le cirque, c'était beaucoup d'entraînement. Puis, comme. Et ça te permettait de pratiquer beaucoup plus dans une discipline et de montrer à tout le monde qu'est-ce que tu es capable de faire. Parfait. Jérémy, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? L'école secondaire ESAG. Dans quel programme tu t'en vas? PEI. Au PEI. Parfait. Question de connaissances générales. Qui est la fille de Madame Josée? Elle travaille ici. Elle a une fille, Madame Josée? Madame Josée a une fille, elle travaille attends, ici. Attends. J'ai pas son nom, mais genre, comme dehors, il y a une affaire d'affiche, là, comme moi, est-ce qu'ils font toutes les profs? Je pense que je serais capable de la reconnaître. Elle a les cheveux de quelle couleur, là? C'est Madame Erika. Quoi? C'est, oui? C'est pas la fille de Monsieur Jean? Non, Madame Erika, c'est la fille de Monsieur Jean. Madame Erika. Oh oui, elle! Oh, oh oui. Oui, elle. Eve Godard. Sophie, merci. Donc, Eve, durant ton primaire, quelle était ta discipline préférée au cirque? Le monocycle. Le monocycle. Oui. Sophie, quant à toi, quelle était ta sortie scolaire préférée? L'athlétisme. C'est une sortie scolaire, ça? Oui, c'est une sortie scolaire. Eve, quel était le moment le plus drôle durant ton primaire? Quand on avait des remplaçants. Quand on avait des remplaçants? Ouais. Comme moi? Ouais. OK. Sophie, quel était ton projet préféré? Pas mal Expo Science, même si ça a été annulé. OK. Eve, décris-toi comme élève. Comment tu penses que t'es comme élève? Fatigante. Ouais, c'est fatigante. Je suis vraiment pas calme. Puis, ben, je suis serviable. OK. Et, Sophie, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté durant ton parcours? De la confiance, parce que je dois dire que j'ai pas de confiance en moi de temps en temps. Mais souvent. Pas mal ça. OK. Puis, question de connaissance générale sur l'école.
quel autre emploi occupe Madame Mirka? C'est qui? Madame Mirka. Eve, tu sais qui? Oui, je sais qui, Madame Mirka. Quel autre emploi est-ce qu'elle occupe? À part Saint-Michel ou? À part Saint-Michel. Oh, un deuxième emploi. Je sais même pas c'est qui. Je vais t'en poser une à toi. Oui, je sais qui, mais je me souviens plus. Elle est esthéticienne. Ah oh, oui. Sophie. Oui. Quel est le rôle de Monsieur Jean dans l'école? Tu sais, il est grand, là. Oui, je sais c'est qui. C'est. Ah, oh, j'avais ce bout de la langue. Je veux pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses? Dis-le. Directeur adjoint. Exactement. Directeur adjoint. Donc, c'est tout les filles. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Lucas Liendon. Moi je m'appelle Gabriel Manceau. Donc, Lucas, quelle était ta discipline préférée au cirque? La jonglerie. La jonglerie. Gabriel, quel a été ton projet préféré durant ton primaire? Le cirque. Le cirque, sauf le cirque, tu as? La robotique. La robotique. OK. Lucas, qu'est-ce qui va te manquer le plus du primaire? Ben, les profs. Les profs. OK. Gabriel, toi, qu'est-ce qui va te manquer le plus du primaire? Les profs. Les profs. OK. Lucas, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? Ben, des responsabilités. Des responsabilités. C'est bien. Et Gabriel, quelle a été ta sortie scolaire préférée durant ton primaire? Edelweiss. Edelweiss. Qu'est-ce que tu as fait à Edelweiss? On a glissé. Vous avez glissé. Parfait. Question de connaissance générale sur l'école. Lucas, qui est la femme de M. Guy? Madame France. Madame France, effectivement. Gabriel, quel autre emploi occupe Madame Mirka? Elle a un deuxième emploi. Est-ce que tu sais quoi? Non. Elle est esthéticienne. C'est tout, les gars. Bonjour, je m'appelle Wyatt Guédon. Moi, c'est Benjamin Poussel. Parfait. Benjamin. Quel a été le moment le plus drôle durant ton primaire? Je n'en ai pas. T'as pas de moment le plus drôle, le moment que t'as trouvé super drôle durant ton primaire? Non. Toi, Wyatt, est-ce que t'en as un? Pas vraiment. C'est drôle, mais pas. Non. T'as pas un moment que tu te rappelles qui était drôle? OK. Ben, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Le cirque. Le cirque, ouais. OK. Wyatt, quelle a été ta discipline préférée au cirque? La jonglerie. La jonglerie? Ah, ton frère. Benjamin, quel a été ton projet préféré du primaire? C'est la robotique. La robotique? Ouais. Wyatt, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Ça aurait été la ronde, mais vu qu'on n'a pas été, c'est Edelweiss. Edelweiss, qu'est-ce que tu faisais à Edelweiss? On glissait, on glissait dans des petites ruisselles, mais. J'aimais aussi les hôtes, puis on mangeait tout ça. Là. OK. Ben, quelle a été ta discipline préférée à toi au cirque? C'est le rollabola. Le rollabola. Et Wyatt, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté durant ton parcours? Ben, l'amitié, puis c'est ça, là. OK, c'est bien. Question de connaissances générales sur l'école. Ben, c'est qui la femme de M. Guy? Madame France. Madame France, bonne réponse. Wyatt, combien d'étages à l'école? Deux. Deux, plus? Plus le sous-sol. Plus le sous-sol. Parfait, exactement. C'est tout, les gars. Rosalie Bellil. Malika Réginbal. Parfait. Rosalie, quel a été le moment le plus drôle pour toi au primaire? Quand on était avec notre prof d'anglais, M. Jérémy, puis qu'on pouvait sortir de nous, puis pouvoir apprendre de nouvelles choses, mais en étant drôle, puis ça fait qu'on apprenait d'une façon plus vite. Puis c'est ça qui faisait que c'était plus drôle, puis il y avait une meilleure ambiance. OK. Malika, qu'est-ce qui va te manquer le plus du primaire? Qu'est-ce qui va me manquer? Les pratiques de cirque. Les pratiques de cirque. Rosalie, quelle a été ta discipline préférée au cirque? J'ai vraiment aimé bâton d'équilibre. Bâton d'équilibre. Malika, quel a été ton projet préféré? J'ai beaucoup aimé faire expo-science avec mon amie Coralie. Parfait. Rosalie, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours?
Ça m'a apporté à être plus confiance en, à être plus confiante en moi, puis ça m'a aidé aussi à vieillir d'une autre sens de moi. Parfait. Malika, décris-toi comme élève. Comment tu penses que tu es comme élève? Je pense que je suis un élève autonome parce qu'il y a beaucoup de profs qui me l'ont dit. OK, parfait. Question de connaissance générale sur l'école. Malika, combien d'étages à l'école? Deux, mais il y a un sous-sol. Deux, avec le sous-sol, exactement. Et Rosalie, quel est le nom de la secrétaire? Madame Lynn. Madame Lynn. C'est tout, les filles. Merci beaucoup. Non, c'est Alex Bellavance. Parfait. Donc, Alex, quel a été ton projet préféré dans ton primaire? Moi, c'est en cinquième année, on a fait de la robotique. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. OK. Sinon, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Moi, j'ai aimé aller à Sajou, là, même si je suis pas l'été, là, mais j'ai aimé ça, là, c'est cool. Parfait. Et qu'est-ce qui va te manquer le plus? Le cirque. J'ai beaucoup ça le cirque avant, mais encore, là. Mais c'est cool, le cirque. Parfait. Question de connaissance générale sur l'école. Quel est le nom de la secrétaire? C'est Madame Lynn. Exactement. Bonne réponse. Il était fort de bain. Donc, Élie, quelle était ta discipline préférée au cirque? J'ai pas trop pratiqué le cirque, mais j'ai fait du trapèze comme discipline au spectacle, mais je préfère le spinabolo. Sinon, quelle a été ta sortie scolaire préférée? J'ai aimé quand on est allé à Sajo parce que, en fait, je m'en souviens plus vraiment, mais je me souviens juste que j'avais vraiment aimé ça. OK. Et finalement, quel a été ton moment le plus drôle? C'est difficile à dire parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de moments drôles au cours de mon primaire. Mais je veux dire, quand que on était toute notre classe, ensemble, puis on se racontait plein de blagues, c'était vraiment fun. Parfait. Question de connaissance générale. Nomme au moins deux pays que Mme Christine a visités. Alors, je sais qu'elle a visité la France. Et je sais qu'elle a visité... Je sais quel pays elle va visiter. La France, c'est une bonne réponse. Je sais, le Portugal. Effectivement, bonne réponse. C'est tout. Alexandre Robert. Parfait. Donc, Alexandre, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton primaire? Mes amis, parce qu'ils vont pas tout le temps même école que moi, ils vont manquer. OK. Sinon, quel a été ton projet préféré? La robotique, parce que c'est un mélange de robots et de Lego, fait j'aime pas mal ça. OK. Et finalement, quelle était ta discipline préférée au cirque? C'était la jonglerie. La jonglerie. Question de connaissance générale sur l'école. Qui est la fille de Madame José? Je sais pas. Madame Erika. Ah. Oh. Oh oui! Adrien, droit au côté. Adrien, quel était ton projet préféré au primaire? De faire des orques. Sinon, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Les profs, puis tout le monde, puis aussi les activités qu'on a faites. OK. Quelle a été ta sortie scolaire préférée? Aller à la piscine municipale. Parfait. Et question de connaissance générale. Qui est la directrice? Madame José, effectivement, en réponse. Louis-Alexandre Deschâtelet.
Parfait. Quelle était ta sortie scolaire préférée? Je me rappelle plus de son nom. Tu te rappelles pas du nom de la sortie? Non, mais c'était. On est allé glisser au. On est allé faire des glissades dans la neige. Un dos de baisse? Ouais. Parfait. Quelle a été ta discipline préférée au cirque? Spinabolo. Spinabolo. Et quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? Rundas Gamelin. Parfait. Question de connaissance générale. Combien d'étages a l'école? Est-ce que j'inclus le rez-de-chaussée? Oui. Trois. Trois, bonne réponse. C'est tout. Moi, c'est Anaïs Secor. Puis, moi, c'est Keisha Armstrong. Parfait. Donc, Anaïs, quel était ton projet préféré dans ton primaire? J'ai bien aimé leur plastique. Moi, j'en ai pas vraiment aimé, mais comme. Ouais, non, juste leur plastique. Parfait. Keisha, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Moi, ce qui va me manquer le plus, c'est le cirque parce que ça m'a aidé à me dépasser moi puis ça m'a donné des défis que j'ai pas été capable de faire. Parfait. Anaïs, quelle était ta discipline préférée au cirque? J'ai bien aimé le bâton d'équilibre. Puis parce que si je me concentrais, puis j'ai pas tant de concentration des fois, fait que c'est correct, c'était cool. Ok. Keisha, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? ESAG. ESAG, quel programme? Je suis inscrite en option base. Ok. Anaïs, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté lors de ton parcours? J'ai pas vraiment eu, comme à mon ancienne école, j'ai pas vraiment eu beaucoup d'amis parce que je suis pas capable, d'aller vraiment voir les personnes. Fait que, ça m'a un petit peu déjeuné, puis j'ai des amis, fait que c'est correct. Ok. Keisha, décris-toi comme élève. Comment tu penses que t'es? Je peux être fatiguante des fois, quelques moments. Des fois, je peux être vraiment tranquille pendant comme un examen. Des fois, je peux vraiment... comme avec mes amis dans la cour d'école, des fois, je dis vraiment des niaiseries comme... OK. Question de connaissance générale sur l'école. Quel est le second emploi qu'occupe Madame Mirka? Esthéticienne, bonne réponse. C'est tout. Allez, je m'appelle Véronica Leduc. Je m'appelle Mathias Prévost. Parfait. Mathias, quel était ton projet préféré durant le primaire? J'ai bien aimé l'Expo Science. Cette année, j'ai pas eu la chance de le faire, mais l'année passée, j'ai adoré. Parfait. Véronica, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton primaire? Pour moi, les amitiés, parce que ça se crée vite, puis maintenant, on est bien avec. Parfait. Mathias, quelle était ta discipline préférée au cirque? J'ai bien aimé le bâton fleur. Véronica, pour toi, c'était quoi? Le monocycle. Le monocycle. Mathias, décris-toi comme élève. Comment tu penses que tu es comme élève? Je pense que je suis assez très drôle, un bon sens de l'humour, serviable, puis c'est ça. OK. Et Véronica, quel était le moment le plus drôle pour toi durant ton primaire? C'est pas mal toutes les journées qui se passaient quelque chose de drôle avec mes amis. Parfait. OK. Question de connaissance générale sur l'école. Quel est le nom de la secrétaire? José. Non. Lynn. Madame Lynn, effectivement. Et deuxième question. Quel est le rôle de Monsieur Jean? Directeur adjoint. Directeur adjoint, hein, on a un pro aussi. Donc, c'est tout. Mon nom à moi, c'est Daphné, puis mon nom de famille, c'est Bordeaux. Là, c'est déjà Jean-Bernie. Parfait. Daphné, quel était ton projet préféré durant ton primaire? Expo Science. Jade, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton primaire? Les profs, je te dirais. Les profs? OK. Daphné,
Quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? SAG. SAG, dans quel programme? Dans Or. Ah, parfait. Jade, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté durant ton parcours? L'aide de la persévérance. Daphné, quant à toi? Moi c'est de la confiance en moi et de la persévérance. Ok, parfait. Jade, quel a été le moment le plus drôle pour toi durant ton primaire? C'est un moment spécifique? Non. Non, c'est pas un moment spécifique. Ok. Quelle était ta sortie scolaire préférée, toi, à ton primaire? Je crois que c'était Edelweiss. Attends, c'est tout dans les années? Oui, dans toutes les années. Edelweiss. Edelweiss, tu as fait quoi, Edelweiss? Je glissais sur les tubes. Parfait. Question de connaissance générale sur l'école. Jade, qui est la femme de M. Guy? Madame France. Madame France, effectivement. Daphné. Quel est le nom de la secrétaire? Madame Lynn. Madame Lynn, effectivement. Moi, je suis Sarah Chénier. Moi, je suis Audrey Bélanger. Parfait. Sarah, quel était ton projet préféré durant ton primaire? Expo Science. Sinon, Audrey, quel était le moment le plus drôle pour toi durant ton primaire? C'était quand qu'à chaque fois qu'on rentrait dans la classe, M. Guy nous disait tout le temps des blagues. C'était vraiment drôle. Ouais. Ok. Sarah, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? SAG. Dans quel programme? Art plastique. Ah, avec Daphné. Audrey, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté durant ton parcours? La persévérance, parce que avant j'étais comme. J'arrêtais tout là, quand je ne l'avais pas du premier coup. Puis là, vu que je suis entrée, depuis que je suis entrée à Saint-Michel, c'est mieux. Parfait. Sarah, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école Saint-Michel? Les professeurs. Ok. J'ai commencé avec laquelle des deux déjà? Je vais te poser trois questions. Hein. Ok. C'est une question. Audrey. Quelle était ta sortie scolaire préférée pour ton point? Ça aurait été la ronde, mais là on n'est pas été, c'est Edelweiss. Edelweiss. Tu as fait quoi, Edelweiss? On fait de la thune. Parfait. Question de connaissance générale sur l'école. Les filles, quel est le nom de la secrétaire? C'était Lynn. Madame Lynn, exactement. Madame Lynn, et voilà. Exactement. Deuxième question. Qui est la fille de Madame Josée? C'est qui Madame Josée? Ah, oh, ok. C'est qui Madame Josée? Qui est sa fille? Elle travaille dans l'école. Elle est à peu près mon âge. Ah, oh, c'est. Elle travaille dans la classe à Madame Ninon? Non, c'est Madame Mirka, la fille de Madame Ninon. Mais elle a le nom qui ressemble vraiment à Madame Mirka. C'est Madame Erika. Je m'appelle Mathias. La route ouverte. Je m'appelle Tyler Pilon. Mathias, ouais. Quel était ton projet préféré durant ton primaire? Éducation physique. Éducation physique. Tyler, quant à toi, quel était ton projet préféré? Anglais. Anglais. Parfait. Tyler, qu'est-ce qui va te manquer le plus du primaire? Des amis comme petit, monsieur Tease. Ok. Et Mathias, quelle était ta sortie scolaire préférée? On n'a pas fait. Non? Même sortie à la piscine ou des choses comme non. ça. Là. Non. Non, on n'a pas fait. Moi, oui. Toi, oui? Pendant que lui était parti, moi, je suis allée au jeu d'eau. Ah? Pour la classe? Oui. Oh non, je n'ai pas fait. Ah, okay. Oui. Sinon, mais dans toute ton primaire, je parle. Dans toute mon primaire. Dans toute ton primaire. Quand je suis allée au Coralie. C'était du boisé quand il y a l'enfant qui s'était fou malade où je suis allée. C'est quoi? C'est aux chutes. Je parle aux chutes Wendigo. Ah. C'est malade là-bas. C'est cool. Tyler. Oui.
Quel a été le moment le plus drôle pour toi durant ton primaire? C'est un moment qui était vraiment drôle? Non? Ou sinon, tu peux juste nommer un moment qui était drôle. Un moment qui était. Moi, rien que dire un moment qui était drôle, puisqu'il n'y a pas un moment où j'ai poussé mes pantalons. Fait que, si c'était quand, à un moment donné, il y avait. Mathias? Moi? Non. Mathias. C'était Mathias Lépine. On était en classe pour faire une joke, on riait, tout ça. Là, il arrive, pow, il se bagne la tête sur son bras. Puis là, on est crampé à terre, là. Puis toi, c'est ton moment? Moi, c'est quand Dylan qui avait pêché en éducation physique. Oui! C'est drôle! Parce que. Ça, c'était drôle. Après, là, nous deux, on est comme. Drop là! Ah oui, attends. Parfait. Et question de connaissance générale sur l'école, les gars. Quel est le nom de la secrétaire? Madame Julie? Non. Christelle? C'est pas, je la connais Madame pas. Madame Lynn. C'est sûr. Madame. Je la connais pas, moi. Madame. C'est tout, les gars. On s'est dit une très belle mère. Parfait. Parle juste un petit peu plus fort. Oui. Quel a été ton projet préféré durant ton primaire? Ben, moi, mon projet préféré, c'était les robots. Les robots? Ok, parfait. Qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école Saint-Michel? Ben, les cours. Les cours? Ok. Et, quelle était ta sortie scolaire préférée durant ton primaire? Ben, moi, c'était lorsqu'on était allé au cinéma. Au cinéma. Okay. Question de connaissance générale sur l'école. Qui est le fils de Madame Ninon? Théo. Non, c'est le fils de Madame Judith. Madame Ninon, elle a un fils qui est dans l'école. Est-ce que tu sais qui? Bonjour, je m'appelle Alex Legendre, j'ai 12 ans. Moi, c'est Zacharie. Parfait. Alexis, quel était le moment le plus drôle pour toi durant ton primaire? Les jokes que Joey faisait. Les jokes que Joey faisait. Sinon, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton primaire? Et moi, je dirais que c'est chaque midi aller au cirque puis travailler pour m'améliorer. Ah, c'est bien. On retourne à Alexis. Quelle était ta sortie scolaire préférée dans ton primaire? Aller à Edelweiss. Aller à Edelweiss? Tu faisais quoi à Edelweiss? De la tube. Puis toi? Moi, du ski. Du ski. C'était à Edelweiss aussi ta sortie préférée? Ouais. Ok, parfait. Sinon, quelle école allez-vous fréquenter l'année prochaine, les boys? SAG pour moi. Dans quel programme? Multisport. Multisport. Nicolas Gatineau en sport et études baseball. Parfait. Zachary, question de connaissance générale sur l'école. Qui est la directrice de l'école? Josée Poquette. Madame Josée, effectivement. Alexis, qui est le fils de Madame Ninon? C'est toi. Oui, c'est moi. C'est tout. Pas plus difficile. Allô, je m'appelle Alexandre Blanchette. Moi, je m'appelle Cassandra Jade Blondin. Parfait. Cassandra Jade, quel a été ton projet préféré durant toute ton cours? C'est certainement Expo Science de cette année ou la pièce de théâtre. Alexandre, quel était le moment le plus drôle pour toi durant ton primaire? Quand on a fait de l'improvisation en art dramatique. De l'improvisation en art dramatique. Parfait. Cassandra Jade, quelle a été ta sortie scolaire préférée? Edelweiss. Tu as fait quoi à Edelweiss? Moi, je faisais de la tube. Alexandre, pour toi, c'était quoi ta sortie scolaire préférée? Edelweiss aussi. T'as fait quoi, Edelweiss? Du snow. Du snow, parfait. Cassandra Jade, qu'est-ce qui va te manquer le plus de l'école Saint-Michel? C'est certainement le potentiel qu'on avait dans la classe quand on travaillait tout en même temps. Ok, c'est bien. Alexandre, quelle école fréquenteras-tu l'an prochain? L'école secondaire. Quelle école secondaire? On ne sait pas encore parce qu'on cherche une ferme pour déménager parce qu'on aime les chevaux, mais qu'on ne sait pas encore quelle école on va avoir. Ah, ok. Question de connaissance générale sur l'école. Cassandra Jade, quel est le rôle de M. Jean? Qu'est-ce qu'il fait dans l'école? Directeur adjoint. Directeur adjoint. Alexandre, qui est la femme de M. Guy?
Mais... Comment ça s'appelle? C'est une madame. Elle est dans l'école. Elle travaille dans l'école. Son nom commence par un F. Madame France. Moi, c'est Maëlie Conville. Puis moi, c'est Étienne Hébert-Ferroy. Parfait. Maëlie, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ton primaire? Ben, c'est mes amis qui sont partis, qui vont aller à différentes écoles l'année prochaine. Ok. Étienne, quel a été ton projet préféré durant ton primaire? Mon projet préféré, je pense, c'était l'exposition. Ça m'a vraiment... j'ai vraiment aimé ça. Essaye de parler un petit peu plus fort. Étienne, quelle était ta sortie scolaire préférée? Ma sortie scolaire préférée, c'est quand on est allé voir une pièce de théâtre. C'était une pièce de théâtre avec un personnage. Il faisait plein d'histoires avec juste un bac de recyclage. Ah, c'est bien. Maëlie, quel a été ton projet à ton préféré? Le cirque. Le cirque, à part le cirque, qu'est-ce que t'en as aimé? Bof. Ben, il y avait l'exposition, là, aussi, ça c'était. Ok. Ouais. Maëlie, encore, décris-toi comme élève. Comment tu penses que t'es comme élève? Je pense que je suis assez persévérante. Je suis maladroite comme élève. Puis, je pense aussi que je suis travaillante, puis que je fais les choses à temps, puis que je les remets dans les bons temps. Étienne, qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté durant ton parcours? Moi, ça m'a apporté le cirque, parce que l'année, je n'étais pas capable de jongler. Puis, grâce à ma Christine, j'ai appris plein d'affaires dans le cirque. OK. Question de connaissance générale sur l'école. Maëlle, peux-tu nommer au moins deux pays que Mme Christine a visités? Je sais pas si c'est des pays, là, mais elle a visité l'Irlande. Oui. C'est un pays? Oui. Puis. C'est pas l'Irlande qu'elle a visité. Non, l'Islande. L'Islande. C'est ça, je te crois. Oui. Elle en a ma deuxième? Non. Joke. Ils parlent la même langue que nous? La France? Tu étais la France aussi? La France? Je savais pas. Elle parlait de France. Étienne, quel est le rôle de M. Jean dans l'école? M. Jean, c'est le concierge. Je pense que c'est comme le directeur adjoint. C'est le directeur adjoint, exactement. Maxime, quel était ton projet préféré durant ton primaire? Mon projet préféré, c'était pour le spectacle de cirque. Un spectacle de cirque. Sinon, quelle a été ta discipline préférée au cirque? Jonglerie. Et qu'est-ce que l'école Saint-Michel t'a apporté durant ton parcours? Ce qu'elle a le plus fait, c'est que ça m'a habitué à être juste avec moi et à me faire des amis. Parce que quand je suis venue ici, j'avais pas d'amis. Puis j'ai réussi à m'en faire, puis ça a bien été. OK. Question de connaissances générales sur l'école. Quel est le nom du concierge? C'est Monsieur Sylvain. Ça me disait quelque chose. Là. Ton chien, comment tu s'appelles ton chien? Théo. Théo. À quel âge ton chien? Théo, il y a 10 mois présentement. 9-10. 10 mois. C'est quelle race de chien, tu sais-tu? C'est un Morkie. Un bichon maltais mélangé avec un Yorkshire. Il y a plein de poils, là. Il est plus vieux en ce moment. C'est votre chien, c'est les boys? Ouais. Comment il s'appelle, votre chien? Axel. Je connais des autres affaires. Est-ce que c'est ton chien à toi, Ben? Non. Non? Je veux en avoir un. Tu veux en avoir un, t'en as pas? Non, pas encore. Tu t'en veux un? Non, je veux en avoir un. Tu veux en avoir un? T'as négocié ça ou tu vas négocier ça? Non, je veux en avoir un. Non, il a gagné. Ça sera un petit chien. Ouais,
dit? Il y avait Tom dans ma voiture. Il y avait Tom dans ta voiture? Je te dis! Check ça, j'ai des photos. T'as des photos avec Tom? Ouais, il y a Tom dans ma voiture. En ce moment? Ouais. Où, attends, je vais voir. Où ça? Ça vient de montrer Tom. Fait que là, on s'en va voir Tom Alden. Ouais. Voilà, qui est à Saint-Michel. Ouais. Daphné l'a fait venir. Ouais. Enfin, enfin. Hein? Une belle photo de graduation, ça. On en va être content. Petit mot pour nos finissants. Ah, ben, je le souhaite beaucoup de bonheur et de succès au secondaire, puisque c'est une étape super importante qui va commencer pour eux autres. Donc, content de nous avoir connus et bon succès au secondaire. Mais attends, là, pas de suite, là, faut que je me prépare. Non, c'est au dépourvu, c'est ça le shot, là. OK, là, là? Ouais, là, là. Coucou tout le monde, je vous souhaite un bel été, bon continuité au secondaire. Je vais beaucoup m'ennuyer, vous autres. Bye! Tu le fais, là? Oui. Je veux leur souhaiter un bon succès. Ça a été un privilège de les côtoyer pendant 2 ans. Un merci spécial au groupe, à Christine, avec qui j'ai partagé des moments privilégiés, puis je suis sûr qu'ils vont réussir. Ciao, gang! À la prochaine! Monsieur Marc, est-ce que tu as un petit mot à dire aux finissants? Certainement. À tous les finissants, évidemment, ben, félicitations, vous avez fini votre parcours primaire, et puis bonne chance au secondaire. Un petit spécial, un petit peu plus à la classe de M. Guy, à qui j'ai enseigné pendant 2 ans. Donc, bonne chance au secondaire à tous, et restez actifs!